Mesdames et messieurs, le court-métrage de Arlecchino, une chanson née dans les cendres. On pense aux sous-titres. Les sous-titres sont là. Parfait. Allez, c'est parti. Et après, on invoque Aventurine. ハウスオブハウスで元気に育ってくれ勉学と武術の稽古に励み他の兄弟たちに勝って国王になるんだペルベーレはペルベーレは来てないのかペルベーレお母様あの子は自分の雲のお葬式中ですまったくまた呪いだね。クリーブ、見に行っておくれ。Ah, elle a une malédiction. はい、わかりました。Donc c'est pas elle la créatrice du foyer de l'âtre. いるかな？うん。雲はケーキを食べない。知ってるだろう。The birds soar from the cage. Sunbeams filter through the foliage. Flames go out. Elle me fume. Mini Arlecchino me fume. And I hope you won't. Oh, les peluches. Je veux la peluche Arlecchino. Oh. Oh non. Snejinoya no yozora ni wa nijiro no aurora ga deru nda tte. Okiku nattara. Issho ni mini iko? Je vois tout de suite où ça va nous mener tout ça. Voilà. By the way, du sang dans Genshin? C'est quand même pas la première fois qu'on a ça. Oh oh. 育ちの悪い花は早く切るべきだった。今になって枯れるとは、おぞましい。そう思わないか。おおおお。おおし。C'est la mère biologique de l'autre fille, puisqu'elles ont la même couleur de cheveux. Oh là 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 là! Ah, la malédiction. カ
観念するんだ。お母様である私が王の座へと導いてやろう。お母様。おーし。あなたには。無理。おーし。Oh mince. L'exécutrice? C'était une fatui? その罪を許し、新たな名を与えよう。先決の称号を受け継ぎなさい。Mon petit scarab avec le manteau. 狂気に満ちた呪われた召使い。Féminin? ついてきたまえ。これからは私が君を育てる。厳しく冷徹なお父様となってな。Ça me donne trop envie d'en savoir plus avec la quête du personnage. Puisque je pense qu'elle a une sacrée réputation parce que elle doit hériter un petit peu la réputation de la propriétaire du foyer de l'âtre, qui apparemment a l'air d'être... C'était une exécutrice fatuée avant, donc du coup, elle prend la relève. Et bon, celle qui s'occupe du foyer doit être intransigeante. Mais on a vu comment elle était dans la quête d'Archon. Et je pense qu'ils vont faire en sorte qu'elle est plus sympa qu'elle. Dans le sens où, juste en apparence, pour les fatuis, elle est odieuse. Mais en vrai, non. Elle joue quel type d'arme? C'est une lancière. Bon, du coup, une faux. On savait depuis Inazuma que Arlecchino n'était pas celle de base. Elle avait tué l'ancienne et avait pris son nom. C'est de ce que ses fatuis disaient, Mover était plus méchante et fourbe que Favre. Du coup, tous les personnages qui disent que Arlecchino est odieuse et tout, c'était bien la propriétaire précédente. La mère précédente, et non pas elle. Je sais pas. Parce que c'est toujours quelque chose qui me paraît bizarre avec Arlecchino, que dans le lore... Punaise, il y a un chat qui gratte à la porte. Que dans le lore, à chaque fois que les personnages parlent d'Arlecchino, ils sont en mode « Ouais, bon, elle est odieuse, c'est le pire personnage, c'est une grognasse, tout ça, ce que tu veux. » Mais la première fois qu'on la voit, et tout le temps qu'on la voit, bah, elle a toujours été « Ok, bon, c'est une fatuie, donc elle va pas aller dans notre sens. » Mais elle pense aux enfants qu'elle a recueillis, et elle se bat pour Fontaine, pour sa nation de base. Il n'y a que Skara qui la ratio H24, Tarta dit qu'elle l'aime pas. Donc, par contre, on est d'accord qu'ils lui ont donné sa délusion pour la brider. Parce que
Parce que si elle peut nous sortir ce kick en combat de boss, juste le MC, il va passer à travers les cieux, les faux ciels, et game over. Hein. Alors, on notera. Hein. Franchement, on est d'accord, c'est Pierrot. Ça doit être les fatuits d'il y a longtemps, puisqu'ils sont que quatre. Il n'y a pas les Tartas, il n'y a pas Sandrone, Pantalone et tout ça. Il y a vraiment que. Du coup, la Chagas, la Signora, Scaramouche. Comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire là maintenant. Il manque Dottore, Nick Dottore. Ouais, c'est les plus anciens. Capitano, merci. Capitano. Punaise, en vrai, Pierrot, il a un flow incroyable comme ça. Il a un flow dingue. Par contre, ça fait trop bizarre pour. Pour Scara, ça fait trop bizarre. Allez, je mets ma petite capuche. Dark Sasuke. Donc ouais, franchement, bien joué l'inverse. Franchement, ils ont fait une dinguerie avec ce trailer. Et ça me donne vraiment. Ça me hype encore plus pour le personnage et ça me donne vraiment envie d'en savoir plus sur toute l'histoire derrière Arlecchino. Et. Bon, ça nous redonne envie d'en savoir plus sur les Fatui aussi, sur toute l'organisation. Puisque je pense pas que. Enfin, dans l'histoire de Genshin, je pense pas que tout est noir ou blanc. Je pense qu'il y a pas mal de nuances de gris. On ne sait pas vraiment qui est l'antagoniste final. Je pense pas que ce soit les Abysses, ni les Fatui. C'est peut-être l'ordre divin. Donc c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant et je sais pas, j'espère que Yoverse peut montrer un petit peu plus de choses par rapport à ça. Donc voilà, Paimon, voilà.